Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma chaîne donc qui a commencé il y a avec les gaming que j'ai fait avant que j'ai aucune vidéo postée. Ça fait à peu près un an. Donc maintenant, je me bats sur le bushcraft et ça fait presque les 50 abonnés. Je suis vraiment content. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment aussi des oufs. Donc voilà. Donc on va passer à une cabane entre guillemets parce que on a eu un accident, donc on a voulu refaire cette cabane là. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs poutres et plusieurs palettes. Donc je vais vous parler un peu pourquoi on a refait cette cabane là. On va vous passer une image de la cabane, l'ancienne cabane. Donc c'est bon, on a parlé de tous les sujets que je voulais employer. Donc c'est bon. Donc maintenant on va parler d'un petit couteau, une pince multi-tool de chez Baco. Voilà, avec un pince en ceinture en métal, donc qui tient vraiment super bien. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Donc voilà. Donc derrière il y a une petite règle. On peut appeler ça comme ça, hein, voilà. Ici et ici. Après, il y a la pince avec un ressort ici. Donc, il y a la pince là où pour pincer, donc là pour prendre les vis et là pour couper. Donc, après, on a un tire-bouchon. On a un couteau, si je le retrouve, pardon. Ici. Le tranchant, il n'est pas super, mais c'est déjà ça. On peut couper des choses avec. Donc après, on a un tournevis plat, ici. Pardon, celui-là. Après, on a deux... ustensile que je connais pas trop ce que c'est. C'est de là. Si vous savez, bah mettez-le moi en commentaire. Donc voilà. Après ici, on a une scie qui coupe ce qu'il faut couper. Hein. Un autre. Alors là, je crois bien que c'est un poinçon ici. Un tout petit poinçon. Là, un tournevis cruciforme. Et le petit dernier qui est ici, qui je sais pas à quoi ça sert. Si vous le savez, bah mettez-moi en commentaire aussi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur cette pince multi-tool. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'un projet que je vais faire. Ça va faire une petite forge avec tous les éléments que je trouve chez moi. Donc ça veut dire boîte de conserve, un petit bout de métal pour taper dessus et une enclume. Donc voilà. Donc la vidéo se termine ici. Merci d'avoir regardé, puis à la prochaine.